Moi, je veux réconcilier tout ça avec ton copain. Ah bon? Ça t'importe? Je sais pas, t'es toute bizarre. Ça fait je sais pas combien de temps que tu le vois plus. Ben, je sais pas, moi je sortirais pas avec quelqu'un comme ça. Hein. Bah, le pauvre, il est en cavale, tu te rends compte? Il pourrait finir en fait Mais à même, vie. il p... Mais oui, ça j'aimerais vraiment pas. Mais tu sais qu'il pourrait te voir quand même. Il pourrait essayer de te voir, de te contacter. Je comprends que c'est dangereux. Mais moi, si je suis en cavale, j'essaie quand même de voir mon copain si j'en suis amoureux. Ben, si j'étais à sa place, après tout, j'essaierais de voir ma copine, c'est normal. Ouais, mais tu sais, ça a jamais été quelqu'un de tendre, hein. Brasco. Rien à voir avec le fait d'être tendre ou pas, mais. Ouais, je l'ai vu qu'il était pas très tendre. Non, non, pas trop. Mais dans ces cas-là, pourquoi il sort avec toi? Pourquoi sortir avec toi? Et pour au final Parce ne que pas. moi je l'aime, tu vois. Ah, et c'est pour te faire plaisir. Je sais pas. Et ça te pose pas de problème. Il sort avec toi juste pour te faire plaisir. En gros, il t'aime pas. T'es un vide-couille. Mais. Tu sers à lui vider Mais les ta couilles. gueule, wesh! Mais. C'est toi le vide-couille de toute la ville, là, putain. Pardon? Oh! Elle vole ma voiture! La fille, elle vole ma voiture, là! Hey, espèce de sale pute là, tu voles ma voiture? Hein? Hey, sors de là, sale pute là! Hein? Sinon je t'attrape par le col. Hey, je rigole même pas avec toi là, tu bouges ton gros cul. T'as voulu voler ma caisse toi? Non. Si, tiens, ça va t'apprendre ça. Hey, bon, en plus tu l'as cassée, je peux plus la conduire là. Hein? Oh putain, hey. Je suis lâche-tête pour être belle et tout, et tu fais ça. Hein, c'est ça? Je sais pas quoi dire. Eh, hey, t'as de la chance que je suis de bonne humeur là, je t'aurais déboîté la face. Attends, je garde mon calme là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Tiens, j'ai un mouchoir là pour ton œil. Oh putain. Oh là là. Merci. Ouais bah, pourquoi t'as pris ma caisse, hein? Pourquoi? Bah je voulais essayer de la conduire et tout, j'ai pas montré. Je lui ai parlé, il m'a dit qu'il allait y réfléchir. Je voulais pas faire ça. Ah bon? Je croyais qu'on était devenus copines, ouais. Copine de frein. Parce que tu m'as aidé. Tu m'as aidé, je me suis dit, bah, je vais conduire et tout. Mais j'étais même pas dans la voiture. Et j'ai accéléré, et je sais pas. Et je sais pas conduire. Oh putain, oh mon dieu. Je suis vraiment une. Ah y'a quelqu'un là, un mécano non? Ah vite, elle a cassé Salut. Ma voiture s'il te plaît. Ah la. Ah oh, mais. La pouffe. Femme là. Au volant hein, j'ai dit hein. La pouffe elle a cassé ma voiture. J'ai pas fait vrai. Ouais, t'as de la chance toi que je te refasse pas le trou de balle. Ah bah t'aurais dû. Oh là 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 là. Oh, hey, tu vas payer hein. Hey, avec, jure, tu... avec quoi? Hey, avec quoi? Avec quoi tu vas lui refaire l'autre balle? Avec une batte de baseball. Oh je veux bien voir ça moi. Ah ah. Ah non s'il te plaît non. Non mais par contre tu vas payer la réparation. Je suis vierge. Ah bah tu le seras plus si tu payes pas la réparation. T'as compris? D'accord. Oui. J'ai payé. Moi j'étais à l'œil toi. Oui. Ouais. Pourquoi t'es aussi violente Kim? Non mais attends, mais on touche pas à mon bijou comme ça, wesh. Mon bijou.
bijou, ton bijou. Quoi? Bah ouais. T'as un mot à dire là? T'as un truc à dire? Je t'écoute. Ouais. Oui? Oui? Ah bah si tu sortiras avec moi, au moins t'auras un meilleur truc, hein. Non mais comment tu te vends là? Et pourquoi c'était si long avec Laurie là? On a discuté. Ouais. Dis la vérité là. Bah on a juste discuté hein. Ouais, vous avez fait des cochonneries, je suis sûre. Ah pas du tout. Mais c'est son style hein, à ma Lolo. Ah mais non. On a rien fait. Il me fait passer pour une pute. Donc à qui je dois demander la facture? Bah à moi. À elle. Je l'ai mis C'est moi à la tarif. J'ai besoin de votre carte d'identité s'il vous plaît madame. Oui. Ah c'est quoi son prénom? Alors... Elle a pas su me dire en plus. Ah ça reste confidentiel madame. Non dis-moi là. Kim t'es où? Hop je prépare la facture madame. Oui. Pourquoi tu l'as prêté ta voiture? Allô? Ouais je t'ai envoyé une position là, je suis avec une nouvelle copine que j'ai croisée là. Je l'ai bien. J'arrive pas à la prendre. Et où? Là, je suis un peu après le magasin de vêtements au Comico. Mais un peu après, pas vers le Comico, mais de l'autre côté. Ah. Ok. D'accord. Allez, viens. Attends. Au niveau de l'unicorne? Non, le magasin de vêtements à côté du Comico. Eh ben, tu continues encore un peu et tu nous verras sur le bas-côté. Ok. Ok. Ah mais y'a que des blondes partout, ouais, j'ai juré hein. Je crois que j'allais me tirer une balle dans la tête. Allez partez, je la retiens. Non, elle a payé ou pas là? Oh. Oui, elle a payé. Ah c'est bon, on peut faire la paix. Tout va bien. C'est bizarre que ça soit toi qui m'appelle pour le voir. Ah, je me promenais et je l'ai vu donc. Tu l'as croisé? Et. Ouais, je l'ai croisé. Et il t'a dit de m'appeler alors? Ouais, comme il savait que je parlais de temps en temps avec toi. Ah, ouais. Tu lui as pas dit que je t'avais demandé une heure? Si. Pourquoi? Pourquoi t'as dit ça? Hein? J'ai dit que bah, c'était pour te défendre. Ouais, mais pourquoi? Comme tu m'avais dit. Les mains, lève les mains, dépêche-toi, lève les mains. Et. Lève les mains et tu me déposes ton téléphone, dépêche-toi. Non, mais. Et... Allez où l'autre voiture? Non, je suis toute seule là. Dépose ton téléphone, jette-le à terre, dépêche-toi. B, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui t'arrive là? Dépose ton téléphone, jette-le à terre, merde! Fais ce que je te dis! Lève les mains! Attends, je vais jeter mon téléphone. Bébé, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Ta gueule! Quoi? S'il te plaît. Qui t'a donné des chargeurs? Pourquoi t'as des putains de chargeurs là? Et... T'as ça, tu vois? Et... Je les ai depuis longtemps. Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce qui. Pose pas de questions, tu fermes ta gueule. Non, je t'ai tout enlevé. Mais... T'as plus rien. Elle est où ta pute? Elle est où ta pote? Mais. Elle fait dodo là, pourquoi? Elle fait une sieste. Mettez-vous tous les deux, toi et... Oh et toi. À genoux, à terre, les mains sur la tête, dépêchez-vous. Non mais attends, viens, on va parler là. Radio, il y avait une autre voiture. Eh, Bresco. Mets-toi contre le mur tout de suite. Non mais... Mais c'est quoi ce délire là? Mais...
Disco. Reste là avec eux, j'arrive. Eh hey, mais tu... Tu te fous de ma gueule, Brasco. Ferme-la. Mais vous êtes complètement taré. Hein? Il arrive, il arrive. Tu me reçois. Fais des tours hein, avec ton avec ta caisse. Fais des tours. Ok. Allez au Laurie. Bébé. Ta gueule, allez au Laurie. Mais t'as vu quoi? Pourquoi tu me parles comme ça? Presque. Je dois me répéter. Allez au Laurie, merde. Je sais pas où aller. Je te jure, je sais pas, j'étais toute seule au quartier, en ville, j'étais toute seule. Quoi? Hein? Tu m'as dit quoi? T'as dit quoi? J'étais toute seule, en ville, je te jure. Bébé... Je te... C'est quoi cette couleur de merde que t'as sur toi, là? Mais... C'est rien, c'est... Donc les photos que j'ai eues... Les photos qu'on m'a fait parvenir, c'était bien toi. Quelle photo? De quoi tu parles? Ah, il m'a dit. Il est venu te chercher chez les Crips. Tu portais leur couleur. Mais on est là-bas. Et là encore une fois, tu portes leur couleur. C'est juste pour être protégé là-bas, c'est tout. Être protégé de quoi? Mais de être protégé en ville, avoir une protection. De filles en vie, c'est dangereux, tu sais. C'est qui t'a dit d'aller là-bas? Bah, c'est personne. On a décidé comme ça avec Laurie. Tu comprends? Ah, avec Laurie? Oui. Range ton couteau, s'il te plaît. Mais... Tu le sens, là, le couteau? Tu le sens jouer avec... Tu le sens? Tu m'as bien caché, hein. Tu m'as bien caché que tu vivais là-bas ou que tu traînais là-bas. Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu me donnes même plus de nouvelles. Rien du tout. Tu veux pas qu'on bouge? Tu veux pas qu'on bouge? Parce que si elle envoyait la position à quelqu'un d'autre... Je... J'ai rien fait. On va bouger. Ouais, la Mercedes. Jamais j'aurais fait un truc contre toi. Tu comprends? Jamais. On va bouger. On va juste monter. On va les mettre dans le 4x4. On va juste monter un peu plus par là-bas, là, à droite. Il y a un petit truc sympa. Ok. Vous deux, relevez-vous. Vous allez monter dans le 4x4, là. Dépêchez-vous. J'espère que vous êtes prêts de mourir. Non. Tu vas pas me tuer, tu... Descendez, dépêchez-vous. Regarde-moi dans les yeux, Brasco. Descends, ferme ta Brasco. Gueule. Tu peux pas faire ça. Brasco. Tu vas contre le mur, dépêche-toi. S'il te plaît, regarde-moi, Brasco. Va contre le mur. Alors comme ça, ta pute, elle veut me balancer, c'est ça? Quoi? Qui ça? Tu parles de Laurie? Comme ça, ta petite Laurie, là, elle va trouver des gens en ville en disant, va aller balancer Brasco où il est. Quoi? C'est ça? Mais non, elle a pas fait ça. À qui elle a fait ça? Elle a pas fait ça? Non. Demande à ton copain, là, à côté de toi, demande-lui. Bruno? Oui, elle m'a... Oui, quand on a dit, tu sais qu'elle avait problème sur sa voiture. Ouais.
Qui a voulu me faire écouter le moteur. Ouais. Elle m'a proposé ça. Quoi? Mais non, c'est pas possible. Laurie, je la connais par cœur. Si, pour ça c'est pour ça que je t'ai dit, à un moment, il faudrait qu'on parle. Non, je suis sûr. Je voulais te le dire. Je suis sûr que t'as mal compris. Elle ferait jamais ça. Elle sait que. Non, non. Que je veux. Que jamais. Elle a dit qu'on ferait 70-30. Elle sait que. C'est ça, elle veut faire comme elle a fait à Warren, c'est ça. Elle sait que j'embrasse quoi, elle ferait pas ça. Elle veut faire ça, elle veut faire comme elle a fait avec Warren, c'est ça le délire. Hein? Sauf que moi, je veux de l'argent. Non, mais. C'est ça. Warren, il était violent. Comme on l'a toujours dit, comme on l'a toujours su, elle est là pour l'argent. Je comprends, il était violent avec elle, apparemment. Warren. Ah ouais? Oui. Warren, je sais très bien comment il était. Il était pas du tout violent avec les filles. Mais... Pas du tout. Mais s'il te plaît. S'il te plaît. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu un de nos gars? Pour une stop? Qui a l'argent? Tu sais rien. Un couple, c'est comme un iceberg. Tu sais pas si il est violent. Je sais rien. Tu sais pas. T'es sûr de ça? Je sais rien. Oui, tu sais. J'ai des gens partout et toi-même, tu le sais. T'es pas avec eux d'autres. Comment j'ai su que t'es sorti de chez les Crips hier? Avec un mec habillé en motard, avec une moto. Comment j'ai su? Je sais pas. À ton avis? Je sais. Parce que j'ai des gens partout, tu le sais très bien. Donc là, ce qui va se passer, ça va être très simple. Mais tu comprends pas, il fallait qu'on se c'est protège. C'est que toi, il n'y a pas de protection. La seule protection qu'on a ici en ville... T'es recherché, mais il fallait que... Ah ouais, tu penses qu'elle est dans un ancien quartier où j'étais logé, tu penses que c'est encore mieux? Ah, ça, tu savais pas. Non. Ah. Tu me parles pas, tu me dis rien. Tu t'es hyper froide. Pourquoi tu te confies pas plus? On est un couple, non? Presque. C'est bien ce que j'ai cru. Mais on l'est encore. Ouais. Que pour toi. Je te dis que... Va contre le mur, dépêche-toi. Yes, you are. N'oblige pas à t'exploser le pied. Mais... Presque. Va contre le mur. S'il te plaît. Va contre le mur, dépêche-toi. Là, je vous montre. C'est qui? La réelle personne qui recherchait. Confiance en personne. Rien du tout. Tu lui tiens? Ah, Bruno? Kim? Oui. C'est un ami, Bruno. Attends. Oui. Assieds-toi, Bruno. Tu te mets face contre nous, tu t'assois. Je dépose des trucs, j'arrive. Est-ce que... S'il te plaît, je te demande une dernière chose. On peut parler... Sans attends, armes, sans... la radio. Parler... Comme avant, ok? Sans armes... Non, y a rien du tout. Tu te remets contre le mur, c'est tout. Je vais te voir à genoux, les mains sur la tête. Y a pas besoin d'armes. Presque. À genoux? Les mains sur la tête, je vais pas me répéter. Oui. D'accord. Ah, très bien. J'espère que tu y tiens. Non, qu'est-ce... Non, faites pas ça. Arrête ça, Bresco, s'il te plaît. Attends, t'as hâte de mettre le parfum. Tout ce que vous voulez, faites pas de mal à... Il a rien à voir là-dedans, s'il vous plaît. Je ferai ce que tu veux, je te jure. Je te jure. Bresco, écoute-moi. Fais pas ça, Bresco. Ah ouais? Oui. Pitié pour lui, s'il te plaît. Il y a plus de pitié. Il a rien fait. Depuis que j'entends que des gens veulent me balancer et que les personnes que j'aime traînent avec ces personnes-là en question, il n'y a plus aucune pitié. Mais quand je vois il savait pas, et quand on me montre que les personnes plus. Que j'aime traînent chez les Crips alors que je suis en guerre contre eux, personnel, mais... il n'y a plus aucune pitié. Personne savait les plans de Laurie, je te dis. Quand j'apprends moi, je savais... que Warren s'est fait arrêter à cause de deux meufs, il n'y a plus aucune pitié. Mais t'as pas entendu la raison, je te dis. Il a frappé. Et où l'autre grosse pute? Elle a dit qu'il le tabassait. Tu comprends? Ah ouais?
Et tu penses que c'est une raison? Oui. Alors qu'on en a besoin d'effectifs. Tu penses que c'est une raison de le mettre en prison? Alors que tu sais très bien que je suis recherché et que j'en ai besoin des gens comme ça. J'ai besoin d'hommes. Donc tu penses que c'est en abattant mon armée? Et s'il aurait tué Laurie? Petit à petit. S'il l'aurait tué sous les coups, ça te fait rien? Et alors? C'est ça. Et non, ça me fait rien. J'ai envie qu'elle crève, cette meuf, elle va mourir. Que ça soit par Warren, maintenant qu'il peut plus, ça va être nous qui vont la battre, la petite Laurie. Tu vois? On va la tuer. Et je vais couper sa tête et je vais la mettre devant le Comico. Non, de toute façon, vous l'aurez pas, vous l'aurez pas. C'est pas possible. Ah, on l'aura pas. Non. C'est ce que tu penses. Tu veux tuer tous mes tu amis. Tu penses que si je lui envoie un message maintenant, tu penses, tu penses que si je lui envoie un message maintenant, lui dire que t'as facilement 3 à 4 armes pointées sur la tête, t'es prête à mourir. Tu penses que elle ferait quoi? Elle sait qu'elle aura perdu. Moi, j'ai plus aucune pitié. Une balle dans le crâne, je pourrais te la mettre sans hésiter. Non, je te crois pas. Tu laisseras un de tes frères le faire. T'arriveras pas. Tu es sûr de ça? Après tous les moments qu'on a passés, tu peux pas. Bien sûr. Ah ouais. Pour la force d'un homme. Les moments qu'on a passés. C'était rien. Oh, mets-toi à genoux, dépêche-toi. C'était rien alors. Toi et moi, c'est ça. C'était quelque chose. Mais quand... Quand tu ne remarques pas que tes propres alliés, amis, on va appeler ça comme ça, te mettent dans la merde, et que jusqu'à là, même ton mec est prêt à te buter, je pense qu'il faut que tu comprennes que ta petite pote ne sert à rien. Tu vois? Qu'elle est juste là pour te mettre dans l'embarras et te faire enterrer. Je savais pas qu'elle complotait contre toi. Je savais pas. Ah, tu savais pas, c'est que c'est pas ta pote. Mes couilles. Mes couilles. Je te jure. Mes couilles. Je savais pas. Je savais. Elle m'a rien dit. Elle a laissé t'embobiner là, mais arrête. J'ai jamais menti. Est-ce que j'ai déjà menti presque? Hein? En plus, tu sais très bien. En ce moment, je suis prêt à abattre tous ceux de la ville qui me feront de l'ombre. Et là, actuellement, tu en fais partie. Grâce à Laurie. Tu vois? Bruno en fait partie. Grâce à vous deux. Dis-moi, toi aussi, tu complotais sur moi ou pas? Toi aussi? Ou pas du tout? Ça va pas, je pourrais jamais. Je pourrais jamais faire ça. Maintenant qu'on t'a dit que Laurie voulait comploter contre nous. Contre moi, plus principalement, il voulait me balancer. Tu comptes faire quoi? Si je l'avais su, je l'aurais tué. Ah ouais? Oui. Donc si on te l'amène maintenant, tu la butes? Oui. T'es sûr de tes choix? Ça a toujours été toi, mon choix. On n'est pas obligé d'en arriver là. Moi, je veux Laurie. Personne d'autre. S'il te plaît. Presque. Le mur. Retourne à ta place. J'ai jamais fait de mal à quelqu'un. J'ai jamais tiré sur quelqu'un. Je vais essayer. Ah, t'auras pas besoin de tirer vu qu'elle sera à genoux. Tu la mettras à genoux. Les mains sur la tête, t'as juste à mettre ton pistolet au niveau de son crâne et tu presses la détente. Je veux que tu la battes tes propres mains. Tu sais que je sais pas si j'en suis capable de tuer quelqu'un.
Bah, combien de premières fois parce que t'auras mon Uzi pointé sur ton crâne à toi. Car quand tu vas la buter, t'inquiète, je veux pas, que tu m'envoies une pause GPS. Tu vas peut-être vomir en voyant son crâne exploser, mais après ça, ce sera fini. Mais si je suis plus là même, après avoir fait ça... Dis-toi les une chose. Gens changent. Ouais, les gens changent. Je te dis tout de suite, tu seras plus là même, c'est sûr. Ils sont sur les mains et c'est plus les mêmes. Quand tu veux que je t'abatte maintenant et que je m'occupe d'elle, y'a aucun problème. Non, je t'ai dit, je le ferai. Voilà. Donc parle pas de changement. De toute façon, une salope en plus ou en moins, qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est simple. Quand tu la verras, tu la feras monter dans ta voiture ou bien alors elle te fera monter dans sa voiture. Ensuite, tu lui diras, tu déposes ta, si c'est toi qui conduis bien sûr, tu lui dis simplement, mets ta radio et ton téléphone dans la boîte à gants et tu la braques avec ton gun. Si elle te parle et qu'elle te fait des sens et qu'elle te joue les sentiments, tu réponds pas. Tu t'en bats les couilles. Tu te fais rien. J'écoute. Non. Donc, si maintenant elle te pose des questions ou autre, tu réponds pas. Tu vas quelque part, tu la mets contre un mur ou contre ce que tu veux, tu la mets à genoux, les mains sur la tête. Ensuite, tu m'envoies une pause GPS. D'accord. Et dès qu'on arrive, tu fais pas traîner les choses. Je fais ça. Et je suis sûr que tu peux gérer de ton côté. Je le fais, c'est pour toi. T'as compris? Sache un truc. C'est que mes sentiments sont réels. Oui, je suis encore là. Sache-le. Ok. Tu le relèves lui, ils prennent un 4x4 et ils dégagent tous les deux. Nous, on y va. Go. Partir. Oh, encore un bonbon. Oh ouais, encore un bonbon. Encore un bonbon. Oh merci, merci madame. Oh ouais. Mmh. Oh, un bon Bruno, petit bonbon. Oh. Comment tu te sens là, Bruno? Oh, trop bien. Je vois des licornes. Viens là. Oh. Je te prends au bras là. Il y a des licornes qui volent. Oh. Viens, je vais te mettre dans une voiture là. Oh, oh un éléphant. Mais y a pas de joli. Tiens, éléphant. Tu montres ici. Oh, il est beau l'éléphant. Ah non, non, prends pas le. Ah non, non, non. Oh, un joli téléphone. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ils t'ont donné quoi là, Bruno? Oh. Quoi? Oh. Magnifique! Oh, des lapins roses! Mais y a pas de lapin rose. Oh! Hein? Oh, tu l'as écrasé! Mais t'es... ferme les yeux, essaye de dormir un peu là. Ah, t'es défoncé, wesh. Mais là, ça, c'est la merde là. C'est la merde. Un éléphant qui se balançait. Sonne toile, toile, toile. Toile d'araignée. Ta gueule. Tellement. Oh, putain. Tellement ta gueule. Ta gueule là, putain. Wow. Oh. Tu te souviens de quelque chose ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé. Bah, on faisait du camping avec des copains et Laurie et tout et.
on a pris un peu de drogue, tu vois. Et là, c'est le matin et... Il faut rentrer maintenant après avoir fait la fête, tu vois. Ah. Ouais, voilà quoi. Ah, j'ai dû boire comme un trou encore. Ah ouais, t'as pas que picolé, t'es même pas redescente là, t'es encore en montée là. Je sais pas ce que t'as pris comme trou. Putain. Bah où? Hein? On retourne en ville. Ils sont déjà tous partis, on est les derniers encore au camping là. Ouais, il faut que t'ailles te reposer là, je vais te déposer chez toi. C'est où chez toi là? Pas loin du Bénise. Ok. Oh là là. Eh mais si tu as envie de vomir, tu me dis stop et je m'arrête. Hein. Ok. Oh, je vomis dans la boîte à gants, c'est pas grave. Non mais ça va pas ou quoi? Wow, wow, wow. Ah mon dieu. Oh, ça secoue, hein. Oh. Oh là 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 là. C'était pas une bonne soirée du tout. Enfin, c'était... Si, si, c'était très bien le camping. La mort, c'est la mort. Tuer, c'est tuer. Et une fois que tu l'as fait, Hugo, tu perds ton âme. Motherfucker, motherfuck you. Tu me diras plus jamais I love you. Je suis un petit renard des idées. Avec un train de vie de voyou. S'il faut tirer, je vais pas hésiter.